En couture. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mesven, nous allons reprendre cette audience et je voudrais poursuivre mes questions par rapport aux prisonniers arrêtés en mer. Vous nous avez dit ce matin que les pêcheurs thaïlandais ou les personnes arrêtées en mer étaient conduites à Kompong Som. Nous avons vu que Kompong Som, je voudrais maintenant faire état d'un nouveau document. Il s'agit du document E3-928, ERN Ankhmer 00017026. Et ERN en français 00 61 16 68. Le RN en anglais. Le RN en anglais m'échappe pour l'instant. Je vais retrouver tout à l'heure. Voilà ce qui est dit dans ce télégramme. En tout, à partir du 25 mars 1978 et cela jusqu'au 30 mars 1978, le nombre de Vietnamiens arrêtés et abattus à coups de feu était de 120 hommes, 5 bateaux d'une puissance de 10 chevaux jusqu'à 37 chevaux, un certain nombre d'armes, dont un M79, ainsi que d'autres matériels ont été confisqués. Paragraphe 2. La libération des Thaïlandais a été retardée. Elle n'a pas pu se faire selon la date fixée en raison des erreurs dans les noms de ceux qui sont venus prendre ces gens capturés. Cependant, après vérification, ces noms n'étaient pas complètement faux. Il n'y avait que des petites erreurs à la fin des prénoms. D'une manière générale, ces noms étaient corrects. Voilà, donc on voit qu'il y a des projets de libération. Et je précise que ce télégramme est en date du 1er avril 1978, il est signé Mout et il est adressé à oncle Noun, frère Van et aux archives. Voilà, donc monsieur Measven, est-ce que vous avez été au courant de l'existence de négociations diplomatiques ou de négociations tout court concernant la libération de ces pêcheurs thaïlandais? Alors, pour être complet sur ce sujet, je dirais que figure également au dossier un certain nombre d'articles qui font état de négociations diplomatiques entre la Thaïlande et le Cambodge. Il s'agit notamment du document D56-DOC.098 et en particulier de la page figurant à l'ERN suivant, S4x0-89-79, où il est question d'une visite d'une délégation thaï à Phnom Penh, délégation qui aurait été reçue par M. Yeng Sak, et où il est fait apparemment état de négociations concernant la libération de pêcheurs thaïlandais. Nous avons un autre document sur le même sujet,
Il s'agit du document E3-12-75 et en particulier de la page figurant à l'ERN suivant S-000-103-13. Et enfin, un dernier article qui figure à la référence suivante, 108-28.292. Il s'agit d'un article de la Far Eastern Economic Review du 31 juillet 1978. Les ERN sont les suivants. En anglais, S-4x0-82-77. En khmer, S-00-79-59-23-25 et en français S-00-76-83-39. Voilà, donc je précise que le titre de cet article en français et le suivant, mise en garde sévère de Bangkok et propagande de Phnom Penh. En anglais, Warning from Bangkok and Phnom Penh Propaganda. Il est fait état d'une visite de M. Yeng Sary en Thaïlande et d'une rencontre avec le général Khiang Sak Chomanan. Et cet article et donc du mois de juillet 1978. Alors venons-en maintenant un petit peu aux relations que vous avez pu entretenir avec la zone et en particulier donc après la disparition de M. Chuchet. Vous m'avez bien dit, monsieur, qu'après la disparition de Chuchet, secrétaire de la zone, il ne restait plus que Seung qui dirigeait la zone. Il se trouve que nous avons au dossier de nombreux rapports adressés par la zone ouest, appelée aussi 401 à Lanka. Je voudrais m'arrêter simplement sur un de ces rapports qui est le document qui figure à la cote E3-1094. Est-ce que vous pouvez me dire tout d'abord si vous vous souvenez avoir reçu de la part des autorités de la zone des consignes concernant les militaires qui n'avaient pas de bonne biographie, c'est-à-dire éventuellement ceux qui pouvaient avoir des liens avec soit des militaires ou des fonctionnaires du régime précédent, ou si vous aviez également reçu des consignes concernant les militaires ayant une ascendance chinoise, ou encore si vous avez reçu des consignes concernant les Vietnamiens. Ben, admire. Alors, on va examiner ce rapport qui est le compte-rendu mensuel pour le mois de juillet 1978 de la zone 401 adressé à Lanka. À la page 8 en français de ce rapport, ERN 00-59-35-30, il est dit ceci, je crois que ça a déjà été évoqué d'ailleurs par l'accusation. À propos des purges effectuées sur la personne des Vietnamiens, sur la personne des agents de la CIA et sur la personne des mauvais éléments. 1. On a éliminé 100 Vietnamiens, petits et grands, vieux et jeunes. 2. On a exécuté 60 personnes qui étaient des gens gradés et des agents de la CIA
des impérialistes américains infiltrés dans des unités et dans des coopératives. 3. Dans l'armée de région, on a effectué des purges sur la personne des combattants chinois qui étaient dans l'armée. 40 soldats chinois dans l'armée ont été gardés pour faire du travail de production. 4. Des mesures ont été prises contre 3 soldats vietnamiens. 10 personnes de sections et de compagnies dans toutes les coopératives et dans tous les districts ont fait l'objet de purges. Parmi tous ces éléments, certains étaient paresseux alors que d'autres étaient opposants et proféraient des insultes à l'endroit de la population. Et certains autres ont été dénoncés par les ennemis et n'ont pas accepté de travailler. Nos mesures contre les opérations des ennemis mentionnées plus haut, 2 points, continuer à suivre à la trace et rechercher les filières des ennemis de tous bords qui sont infiltrés, rongeant de l'intérieur. Et il faut à tout prix continuer à effectuer des purges dans les bases, les unités, les bureaux et dans les différents ministères pour que cela soit propre et net. Donc je rappelle, Monsieur Miasven, que ce rapport est de juillet 78. Ce rapport est donc établi à une date où, a priori, vous avez dit tout à l'heure, la seule personne en charge de la zone, c'est Sương, le chef de la division 1. Alors, est-ce que vous avez discuté avec Sương de telle consigne, de telle politique? ក្តីណែនាំឬក៏គោលនយោបាយបែបនេះទេក្នុងការបោះសម្អាតខ្មាំងនេះបាទតាមខ្ញុំដឹងខ្លះអំពីផែនការហ្នឹងមានលើសពីផែនការតែកំទេចខ្មាំងយួនមានហើយនឹងសម្អាតកែកលុខ្មាំងយួនបង្កប់នៅក្នុងជួរអង្គភាពជារូបបង្កប់ហ្នឹងគឺមាន Il est question de l'armée de région. Selon vous, l'armée de région, en dehors de la division 1, en quoi consistait-elle ? កងទ័ពតំបន់នឹងមានអ្វីខ្លះទៅបាទខ្ញុំអត់បានគ្រប់គ្រងក្នុងកងទ័ពតំបន់ផងគឺកងទ័ពតំបន់និងកងទ័ពភៀដាច់គ្នាដែរឡែកគឺនៅក្នុងខ្ញុំនៅក្រៅនោះបានដឹងដែរ Est-ce que vous avez le souvenir de consignes concernant d'autres politiques, que ce soit des politiques à l'égard des Khmer tentant de s'enfuir en Thaïlande, par exemple? Vous avez dit ce matin qu'il était question de les renvoyer vers l'arrière. À qui les remettiez-vous si jamais ces personnes étaient arrêtées? Savez-vous à qui elles étaient remises, ces personnes? បាទបើរត់ទៅខាងខ្ញុំខ្ញុំចាប់បញ្ជូនមកឲ្យគេខាងក្រោយដែរខាងតំបន់ដែលទទួលខុសត្រូវបើរត់ចំមុខសញ្ញាខ្ញុំខ្ញុំចាប់ជូនមកតំបន់តែក្រៅកន្លែងគេដតីខ្ញុំមិនដឹងដែរ Est-ce qu'il y avait des consignes particulières concernant les cas d'inconduite morale? Et est-ce que vous savez ce que veut dire l'inconduite morale? បាទការដែលខុសសីលធម៌នោះជំពោះអ្នកដឹកនាំខូចជាមួយនឹងនារីខូចជាមួយនឹងស្រីអានោះគឺជាសីលធម៌មួយដែរ ហើយការដែលខុសខូចខាតនោះនឹងតែនឹងឯងដែលនាំឲ្យចំណុចគេហៅថាសិលធម៌នឹងគឺមិនឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយនឹងស្រីឬនឹងអ្វីដែលយើងប្រព្រឹត្តខុស
អនុកសលធរបស់ខ្លួនឯងដែរតែសំខាន់នៅរឿងស្រីដែលគេហាមគឺថាកុំឲ្យមានស្រឡាញ់គ្នាឬក៏ខុសអំពីវិន័យឬក៏របស់កងទ័ពអានឹងគឺថាចំណងឯងដែលគេសំខាន់កុំឲ្យមានការច្បុកច្បល់ប៉ុណ្ណឹងឯង Avez-vous entendu parler de consignes concernant les mariages arrangés par le parti? បាទការរៀបចំកាលនោះក្នុងភៀកនឹងបានប្រជុំឲ្យរៀបការគឺប្រុសឲ្យមានអាយុ20ស្រីដូចជា8-10ចាំខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ ក៏ប៉ុន្តែការរៀបការនោះគេឲ្យរៀបការរបៀបដាច់ញាក៏ប៉ុន្តែមុនរៀបការនោះប្រតិចិនណៃនៅខាងខ្ញុំដែលខ្ញុំឃើញគេរៀបការឲ្យស្គាល់គ្នាគេឲ្យយុទ្ធជនដល់មើលនារីគេស្រឡាញ់ណាគេប្រាប់ហើយគេប្រាប់ឈ្មោះដល់យើងមកយើងសួរបញ្ជាក់គេដែរដើម្បីថាគេស្រឡាញ់ណានេះឬឈ្មោះនេះ មនុស្សអីបើគេត្រូវបានយើងរៀបឲ្យគេបើគេមិនត្រូវទេយើងអត់បាច់បង្ខំគេទេអាហ្នឹងគេថាចំណែកខាងយោធាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានរៀបអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំតាមដំណើរដែលគេប្រាប់រៀបឲ្យក្រុមយោធាគេស្រឡាញ់គេប្រាប់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់នេះមួយនោះមួយអីអញ្ចឹងគេរៀបឲ្យខ្ញុំខ្ញុំរៀបតាមរបៀប Merci, monsieur. Je vais juste lire un extrait du rapport dont il a été question. Toujours le document E3-1094, la page 7 en français, à l'ERN 0059-35-29. Acte de suicide par pendaison. Dans le district 27, dans la coopérative de Thang Khok, un homme appelé Ol vivait autrefois dans une unité itinérante de région. Après son mariage arrangé par l'empereur, il fut démobilisé pour revenir vivre dans la coopérative. 15 jours après, c'était le 28 juillet 1978, il s'est suicidé par pendaison. On a examiné les causes, mais il n'y avait rien dans la période passée qui ait pu expliquer le phénomène. Vous avez été au courant de personnes qui se suicidaient en ce pendant? Alors, maintenant, nous allons aborder une autre partie de cet interrogatoire qui concerne vos activités dans la zone nord. Au préalable, j'aimerais que vous me disiez si vous avez connaissance de l'historique des secteurs qui composaient cette zone nord. Si je ne me trompe pas, la zone nord était composée de deux secteurs. Secteur 106, concernait la région de Prévir, et le secteur 103, concernait le secteur de Siem Reap, Udar Menchay. Est-ce que tout d'abord, vous savez si une partie de ces régions avait été sous le contrôle d'une personne qui s'appelle Khoi Thun? Bah,
Mais vous avez entendu parler de Khoi Thun, alias Khun, alias ancien secrétaire de la zone nord, ancien ministre du commerce. Est-ce que vous avez entendu dire si Khoi Thun avait été arrêté? Est-ce que vous savez si Khoi Thun a fait des aveux? Alors, pour les débats, j'indique que Khoi Thun a effectivement été arrêté, qu'il a été conduit à S21, qu'il a fait un certain nombre d'aveux, notamment qui figure à la cote D108-31.24, et qu'apparemment, dans ses aveux, il a impliqué un certain nombre de personnes qui résidaient dans, dans le secteur 106. Est-ce que vous avez entendu parler des purges dans le secteur 106? Mr. President, if I may be heard for a second, it appears that Judge Laverne is going into the content of confessions. Now, I can recall when there was a witness here, which I wanted to point out a segment in her confession, how she arrived at S21, and I was lectured. Now it would appear that a judge from the bench is commenting about contents in a confession. There is a double standard. I don't know what the rulings are. I certainly would like clarification. Thank you. If I could just support that application for the record. Thank you very much. Very quickly, good afternoon, everyone. If I could just support that application for the record. Thank you. Bien, nous allons poursuivre. On va donner acte de ces interventions. Je précise qu'il ne s'agit cette fois-ci d'aucun renseignement qui figure dans les aveux, mais une liste de noms de personnes dont il est établi qu'elles sont, qu'elles exercent leurs fonctions dans le secteur 106, qu'elles ont été arrêtées et qu'elles ont été conduites à S21. Et je voudrais demander aux témoins s'ils connaissent ces personnes. Alors, il s'agit de la personne qui s'appelle Pa Phal, alias Sot, secrétaire du secteur 106. Est-ce que vous avez entendu parler de Monsieur Pa Phal, alias Sot, secrétaire du secteur 106, arrêté le 21 février 1977 et dont les aveux figurent au dossier à la cote D366-7.1.91? Si vous ne savez pas, vous me dites que vous ne savez pas. Je ne veux pas vous dire des choses que vous ne connaissez pas.
Est-ce que vous avez entendu parler de Nem Nyun alias Kun, secrétaire du district de Sot Nikun, de Prak Sam alias Bang, secrétaire du district de Puok, ou Top Sakun alias San, membre du comité du commerce du secteur 106, ou de Yang Pov, chef de la sécurité du secteur 106, ou de Nov Chan alias In, secrétaire de la 305e division du secteur 106. Est-ce que ces noms qui figurent sur notamment la liste révisée des prisonniers de S21 sont des noms qui vous disent quelque chose? Bad art, Louis. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas rencontré Chan Sam, alias Kang Chap, alias C. Est-ce que, tout en ne l'ayant pas rencontré, vous avez rencontré des personnes qui vous ont parlé de M. C, alors qu'il était en fonction dans la zone nord? Et est-ce que vous savez si, par exemple, il avait des liens avec Tamok ou avec Kepok? Alors, Kepok était le secrétaire de quel secteur? Alors, je précise que nous avons au dossier un télégramme qui figure à la côte E3-239 en date du 30 avril 1977, signé du camarade et qui dit notamment ceci. Il dit qu'il a déjà donné des recommandations à Bang C, et notamment d'aller dans le district de Ampel, et ce à la suite d'un incident qui est survenu dans ce district, puisque ce district dépend du secteur d'Oudermanchay, et des grenades avaient été jetées sur le bureau du secteur. Vous n'êtes pas au courant de cet incident? Est-ce qu'on vous a dit si M. Kepok avait mené des purges dans le secteur de la zone nord? បាទខ្ញុំទៅខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងទៅពេលយួនវាយចូលស្រុកខ្មែរបានដឹងថាកែពកដើមតាននារីដែលគាត់រត់ចេញមកពីកំពង់ធំមកប្រៅហៀហើយផែនការគាត់យ៉ាងណានោះខ្ញុំមិនបានដឹងទេនឹងពីមុនមកខ្ញុំបានដឹងថាកែពកនៅកំពង់ធំហើយណាណានេះផងខ្ញុំបានដឹងទៅណា Est-ce que les dirigeants du Kampuchea démocratique que vous avez pu rencontrer ou avec lesquels vous avez pu être en contact vous ont parlé de M. Kepok
et vous en parlez des purges qui étaient intervenues dans la zone nord. Alors, je précise que nous avons au dossier un nombre relativement important de télégrammes envoyés par le camarade C à l'ANCAR, ou plus exactement au comité 810. Et l'ensemble de ces télégrammes sont adressé à un certain nombre de destinataires et pour la plupart du temps, il s'agit de l'oncle, qu'on peut supposer que c'est Pol Pot, de Nguyen Chia, il s'agit aussi de frère Van, parfois le frère Vorn, aussi le frère Kieu, ainsi qu'au bureau et aux archives. Et dans pratiquement l'ensemble de ces télégrammes, il est question de purification et parfois de purge. Donc, vous n'étiez absolument au courant de rien. Quand vous êtes parti pour la zone nord, quand vous n'avez jamais parlé de M. Kepok, quand vous n'avez jamais parlé des purges qui s'étaient produites là-bas. តែអ្នកដឹកនាំកន្លែងនោះតែម្នាក់ទេតែតំណាងភូមិភាខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះវិហារនឹងនៅក្រុមភូមិភានាផងខ្ញុំមិនដឹងថាបន្ទាយ័តដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់រួចហើយខ្ញុំទៅនឹងគឺជួបតែតែខំមួយទេហើយរឿងភូមិភាអីយ៉ាងណានោះជាកិច្ចការរបស់ភូមិភាខ្ញុំមិនបានដឹងទេសំដៅ Takum vous a dit qu'il était le subordonné de qui? À qui Takum faisait-il rapport? បាទខ្ញុំដឹងថាតាខំដែលជាចង់បងអស់តែមុនដំបូងប្រហែលជាតាហងខ្ញុំទៅអត់តាន់ទេតាំងពីម៉ានមកតាហងខ្ញុំទៅអត់តាន់គាត់ស្លាប់ទៅប្រហែលជាគេបាញ់គាត់ឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំភ្លេចកាលនោះហើយបានតមកខ្ញុំទៅជំនាន់តាខំនោះដែលជាចង់ក្រោយ ហើយតែខំនឹងអត់នៅមន្ទីរតម្លាប់ទេគាត់ទទួលតំបន់ក៏ប៉ុន្តែឃើញតែម្នាក់ឯងទេហើយឈ្មោះហងផែនមួយទៀតជាអនុតំបន់នឹងដែរជាចុងក្រោយដែរគេដកគាត់ចេញមកនៅផ្ទះខ្ញុំជួបគាត់នៅផ្ទះហើយក៏សួរសុខទុក្ខគាត់ក៏គាត់នៅផ្ទះហ្នឹងទៅហើយគាត់មានការរស់នៅក្នុងពេលដែលយួនវ៉ៃហ្នឹងក៏រស់នៅទេ Alors, pour les besoins du transcript, j'indique que les télégrammes envoyés par M. Kangcha au comité 810 sont les suivants. Télégrammes qui figurent au document sous la référence E3-1091 en date du
E3-1144, daté du 5 septembre 1977. E3-1198, en date du 10 janvier 1978. E3-996, il s'agit d'un télégramme du 19 mars 1998. E3-1077, télégramme en date du 10 avril 1978. Et enfin, dernier télégramme, E3-1209. Vous avez dit, monsieur, que... les secteurs de la zone nord étaient des secteurs qui relevaient, qui étaient des secteurs autonomes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Vous avez dit, si j'ai bien entendu ce que vous avez dit jusqu'à présent, que vous aviez reçu un télégramme de Khieu Samphan. Est-ce que vous vous souvenez quand exactement vous avez reçu ce télégramme? Est-ce que c'était alors que vous étiez toujours dans la zone ouest, ou est-ce que c'était quand vous étiez déjà dans le secteur de Préavir? Est-ce que, monsieur, vous pouvez nous dire ce que vous êtes, si vous avez rencontré Khieu Samphan, si vous avez discuté avec lui de la situation dans la zone nord et ce qu'il vous a dit exactement? Monsieur le témoin, je pense qu'il y a un problème peut-être de traduction. Je ne vous demandais pas ce que vous avez dit à Khieu Samphan. Je vous demande ce que Khieu Samphan a pu vous dire, soit directement, soit par télégramme. De quoi vous a-t-il parlé? Sur quoi a-t-il attiré votre attention? Vous a-t-il donné des consignes précises? Et si oui, lesquelles? ក៏បានតែប្រសេសាទួលលេខឲ្យមើលមកដាយមើលពុកមើលបងគាត់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបមុនអញ្ចឹងឯកិច្ចការអ្វីទៅទៀតក៏មិនបានតែសេក៏មិនបាន
Et quand il vous disait de sa famille, il vous donnait des indications précises quant aux identités des personnes à rechercher? គាត់ចេះអល់ប្រាប់តែបងគាត់មិនបានប្រាប់ឈ្មោះទេគាត់ថាមានក្រុមគ្រួសារគាត់មកដែរពួកគាត់ចាស់គាត់សុំគាត់មើលថែសុំឲ្យមើលថែគាត់ផងតែគាត់នៅកន្លែងណាគាត់សុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចគាត់បានបញ្ជាក់តែខ្លីៗប៉ុណ្ណឹង Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation que vous avez trouvée quand vous êtes arrivé dans le secteur de Prévir? Est-ce que vous avez trouvé des gens qui étaient épanouis, heureux, qui avaient de quoi manger à leur faim, qui ne craignaient rien? Ou bien est-ce que vous avez trouvé des gens qui souffraient de problèmes? Et quels problèmes? មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងស្រុករវៀងមុនបងខ្ញុំទៅដល់ស្រុករវៀងមុនគេហើយក្នុងស្រុករវៀងហ្នឹងមានគេកំពុងចំណន់ទឹកខឹមហ្នឹងគាត់គេខ្ញុំមិនចត់ទឹកខឹមទេគាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រជាជនស្រុករវៀងហ្នឹងកំពុងទៅភ័យខ្លាចកំពុងតែគេចាប់ពេលយប់ក៏ចាប់ហើយទៅដល់ស្រុកឆែបទៀត ដូច្នេះប្រជាជនកំពុងតែភ័យខ្លាចហើយខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងមានប្រជាជនគេមកពីឆែបមកប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំដេកអត់លក់ទេណាអងើយគេចាប់តែគេចាប់មិនខ្លះខ្ញុំកាលមានឃើញឡានស៊ីបទៅដល់ឯណងហើយដេកយប់ជ្រៅអញ្ចឹងទៅមានពេតពីឆែបមករត់មកប្រាប់ទាំងយប់ ហើយបន្តិចនៅថ្មមកប្រាប់ខ្ញុំថាមិនអាចភ័យទេជប់ភ័យទៅតែខ្ញុំមកថ្មីនេះគឺមិនអាចឲ្យភ័យទេហើយនៅណាចាប់ចង់ឲ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹងទៅនឹងដល់ខ្ញុំហើយបន្តិចពីចាំខ្សានមកទៀតថាជាជនខ្លាចពុំខ្លាចមែនទេសុខថាគេចាប់នៅឯណាចាប់យកទៅទុកឯណាយកទៅដាក់ឯណាពេលនោះ គាត់ថាខ្ញុំនឹងយកទៅណាទេខ្ញុំចេះតែខ្លាចចេះតែភ័យហើយកាលនោះគេប្រើពាក្យអង្ការឈ្មោះថាអង្ការអង្ការបានអង្ការមកថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ក្តៅហើយខ្ញុំលែងភ័យហើយខ្ញុំលែងព្រួយហើយខ្ញុំថាកុំព្រួយគេហៅខ្ញុំអង្ការហើយខ្ញុំទៅថ្មីខ្ញុំដឹងថាភូមិសាស្ត្រខ្ញុំអត់ក្តាប់បានផងហើយផងហើយការចាប់គឺចាប់មែនដល់ពេល ដល់ពេលចាប់ចង់អញ្ចឹងខ្ញុំបានរាយការណ៍ខ្លះថាតួលេខហ្នឹងប្រាប់មកលោកខេសំផនក៏ប៉ុន្តែគាត់បានទទួលមិនបានទទួលខ្ញុំក៏អត់បានដឹងដែរគាត់អត់ឆ្លើយតបវិញប្រសិទ្ធភាពការតាមព្រំដែនហ្នឹងវាដូចថាវាអត់ស្រួលដល់អញ្ចឹងដល់ខ្ញុំថាជប់ភ័យព្រួយអីខ្ញុំមកចេះឲ្យអត់ឲ្យនរណាធ្វើបាបអីបានទេហ្នឹងរឿងមួយ រឿងពីរទៀតជាជនដែលត្រូវខ្វះខាតស្បៀងអាហារភួយមុងការពុតគឺខ្ញុំទៅដល់ឃ្លាំងភួយមុងគឺគោនៅពេញឃ្លាំងទាំងអស់ហើយអាក្រមគឺនិយាយស៊ីអស់អត់មានឲ្យគាត់ឆ្លៀកពាក់នៅណាកន្លែងកន្លែងនោះកន្លែងល្ងាទៀតត្រជាក់ទៀតអានឹងខាងជីវភាព ដូច្នេះជីវភាពគាត់ខ្វះខាតមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយខ្ញុំទៅរៀបរាប់បន្តិចចុះវិញទៅមើលអំបិលមើលកន្លែងអំបិលកន្លែងឯងក៏ដាក់កដាលវាលចោលទាំងអស់អត់ឲ្យហៅជាជនអត់ឲ្យជាជនមកយកហូបទេអញ្ចឹងបានន័យថាជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់អត់បានគ្រប់គ្រាន់ទេនឹងមួយឲ្យខ្ញុំទៅដល់ចំខ្សានចិត្តនឹង
Monsieur Miasven, avez-vous été surpris par la situation que vous nous décrivez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous, auquel vous attendiez, ou est-ce que vous avez été placé dans une situation un peu extraordinaire? Je vais être plus précis, monsieur. Est-ce que lorsque vous êtes parti pour le secteur de Prévire, on vous avait averti que vous pourriez trouver une situation telle que celle que vous avez trouvée? Autrement dit, est-ce qu'on vous avait dit qu'il pouvait y avoir eu des excès? บ่គាត់មិនបានប្រាប់ឲ្យអស់ថាតំបន់ប្រាវវិហារវាមានឧបសគ្គអញ្ចឹងមើលគាត់ប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងថាមិត្តទៅប្រាវវិហារទៅមើលជីជនគេពឹងចាប់ហើយទៅដល់យើងដើរកាត់ពិនិត្យមើលការជីវភាពរស់នៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយចុងក្រោយគាត់ប្រាប់ថាទៅមិនបាច់ធ្វើអីទេកុំបាច់នាំជីជនធ្វើអីទេ Vous nous avez parlé, Monsieur Miasven, d'une réunion qui a eu lieu à Phnom Penh, alors que vous étiez avec Seung, le commandant de la division 1. Est-ce que, à ce moment-là, on vous a donné des consignes pour vous montrer, en quelque sorte, libéral et faire une application modéré de la ligne du parti? Bạn, cả đại khiêm tâu
ខែ8ចិត្តសពបំបីខែបំបីចិត្តសពបំបីថ្ងៃដល់ថ្ងៃប៉ុន្មានខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំមិនបានចាំដំបងគឺគាត់បង្ហាញពីសភាពការខ្មាំងយួនមុនតាមព្រំដែនដែលកំពុងវាយប្រទង់ប្រទៀងគ្នាពិសេសនៅខាងឈ្នួលខាងស្វាយរៀងព្រំដែនកំពង់ចាមនឹងដែលគាត់បង្ហាញមុនដំបង ហើយបន្ទាប់ទី2ទៅគាត់បានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំថាមិត្តទៅតំបន់ប្រាប់វិហារតើមើលកន្លែងនោះឮថាគេចាប់ជាជនច្រើនព្រមជាមួយនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ក្រុមការពាររបស់អ្នកដឹកនាំខាងលើផងហើយតើមើលកន្លែងនោះចង់មែនឬយ៉ាងម៉េចហើយទី3មិត្តកំទៅអកំធ្វើអ្វីមិនបាច់លើកប្រព័ន្ធភ្លឺបលាយអីគេទេ ដឹកនាំគាត់ធ្វើស្រែដូចឆ្នាំ1470នឹងហើយចំណុចទី4ធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់នៅធ្វើមិនធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់នៅបានហើយគេព្រោះតំបន់នឹងជាតំបន់ខ្ពង់រាបមិនអាចធ្វើប្រព័ន្ធបលាយបានទេនឹងក៏ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹង Vous avez également indiqué, vous en avez parlé à plusieurs reprises, de l'existence, vous avez parlé de l'existence d'un centre de sécurité à Rovienc. Je ne sais pas si je prononce bien ce nom, mais vous avez dit qu'il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient détenues dans ce lieu. J'aimerais que vous nous disiez quelle était la situation dans ce centre quand vous y êtes allé. តើស្ថានភាពនៅមន្ទីរសន្តិសុខនោះយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលលោកទៅដល់លៀនបាទមន្ទីរសន្តិសុខនៅរវាងមានហើយមានអ្នកយាមការពារអ្នកទាំងអស់នោះដែរហើយក្នុងនោះមានខ្មែរយើងច្រើនជាងវៀតណាមមានប្រហែលជា តែមិនវៀតណាមចូលមកនេះវៀតណាមចំណន់ចំណន់អ៊ីស្រាអែលនឹងនៅយូរនោះហើយប្រហែលជា3គ្រួសារនៅជាមួយគ្នានឹងខ្មែរហើយនារីប្រហែលជាខ្ទង់100ដឹងយើងមិនអាចចាំចំនួនទាំងអស់បើសរុបទៅប្រហែលជាច្រើនដែរ300ដឹងមិនអាចយកជាកំណត់បានទេបង ខ្ញុំមិនបានរាប់ហើយក្នុងចំណោមអ្នកជាប់នោះមិនមានរបងឯការពារទេមានតែខ្ទមខ្ទមតំណមួយតំណមួយទៅហើយគាត់ដេកគាត់នៅតាមតំណទៅហើយមានកន្លែងគេចិញ្ចឹមជ្រូកកន្លែងចិញ្ចឹមជ្រូកនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឃើញនឹងខ្ញុំក៏មិនតន់ថាម៉េចដែរ ตอนตะคืนสั้นให้เพิ่นได้ខ្ញុំទៅហើយមានមនុស្សជាច្រើនកងណែនារីខ្លះឈួតដែលនាំដែលរត់ដាក់កន្លែងនោះយកដាក់កន្លែងឃុំខាំងដល់នេះឲ្យខ្ញុំសួរសាកនារីម្នាក់យកមកកន្លែងខ្ញុំនឹងសាលាវិទ្យាល័យរវាងហ្នឹងសួរសាកគាត់មើលតើគាត់ឈឺ យ៉ាងម៉េចបានគេឲ្យមកនៅក្នុងមន្ទីរឃុំខាំងសួរខ្លះទៅថាអ្នកខ្លះថាខ្ញុំសុំគេទៅលេងផ្ទះគេអត់ឲ្យទៅក្នុងមួយទៅមួយទៀតខ្ញុំសួរបានមួយទៀតតើនាងក្មួយណាហេតុអីបានយកមកនៅក្នុងកន្លែងគេឃុំខាំងខ្ញុំលួចពងមាន់គេស៊ីក្នុងមួយយ៉ាងទៅ
Hai ma yang tiet ne ri muay de tha trâu snae ke nung. Nhom hau su tiet. Hau su yo pi kolang pet mo su. Su ta thang khom cha ta chư ta kbal. Pu ai chư 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 kbal. Dal nje chmuay khom mo che tu. Eh kbal eh kbal tau yo kmuon mo khom mo pi kbal nung. Pon kon dai nung rum kanat. อันนั้นมาภายในเต่าที่โยมដាក់คุมค้างนอกខ្ញុំគាត់ឃើញអញ្ចឹងឃើញតែយំស្រែកតគ្នាទៅក៏ខ្ញុំដឹកពីឡានមកយកមកស៊ីមរៀបហើយមកពេទ្យស៊ីមរៀបហើយតាន់អស់ទេយំស្រែកតាមតែផ្លូវលឺឡានហ្នឹងអានឹងមកផ្នែកទៅហើយមកផ្នែកក្នុងទីឃុំខាងហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ 8 ខែ8នឹងប្រហែលជាបានមួយខែកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំគិតគិតខ្លួនឯងថាទីគង់ខាងនឹងគ្មានបាយគ្មានទឹកខ្ញុំគិតថាហើយម្យ៉ាងយួនវាយតាមព្រំដែនដាប់ទៅកាន់តែខ្លាំងទៅខ្ញុំសម្រេចខ្លួនឯងហើយនឹងស្រុកម្នាក់ដែលខ្ញុំយកទៅជាប់ជាមួយនឹងប្រងអុយទៅថាឡាបរិវត្តក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏សម្រាកនឹងទៅក៏សម្រេចថាលែង លែងទៅ ក៏ កាត់ ជ្រូក អា ក្នុង ទ្រុង ប្រមាណ ហ្នឹង ឲ្យ គាត់ ហូប ទៅ លែង ទៅ បាន ហើយ ជា កន្លះ ខែ យួន វាយ ចូល ស្រុក នឹង មក សំ អស់ Vous nous parlez de la libération des personnes détenues au centre de Rovien. Alors, pour que ce soit bien clair, j'aimerais savoir pour quelles raisons ces personnes ont été libérées. Est-ce que la raison est due au fait que les Vietnamiens approchaient, au fait de la guerre? Ou bien est-ce que c'est parce que vous aviez des consignes? Ou alors est-ce que c'est parce que personnellement vous considériez que c'était nécessaire? បាទខ្ញុំសម្រេចដោយចិត្តខ្លួនឯងសម្រេចថាបើទុកគ្មានដំណាថែមើលឲ្យម្យ៉ាងក៏វាឈឺផងវាឈឺខ្លួនផងហើយម្យ៉ាងក៏បងអូនគណិតផ្ទះផងខ្ញុំសម្រេចដោយចិត្តខ្ញុំហើយនឹងស្រុកម្នាក់ដែលប្រុងយកមកតាមខ្ញុំនឹងប្រុងយកទៅដាក់នេះនោះប៉ុន្តែបានយកទៅដាក់ហើយទោះថាសភាពការខាងមុខវាតឹងតែងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងថាលែងបណ្ដោយរួចទាំងអស់ទៅ Donc, pour que ça soit absolument clair, vous n'avez jamais reçu quelque consigne que ce soit des autorités hiérarchiques de Phnom Penh ou de quiconque de libérer des personnes détenues dans le secteur de Prévir. Est-ce que par la suite, vous avez eu l'occasion de rencontrer, par exemple, M. Khieu Samphan? Alors, je vais faire état d'un certain nombre de déclarations de M. Khieu Samphan, qui s'est exprimé publiquement à plusieurs reprises. Et notamment, je fais référence à un document E3/198. C'est un compte rendu d'une interview. Et le RN en français est le suivant, 00-29-62-12. En anglais, 00-18-46-80.
et en Khmer 00072213. Donc c'est une interview qui a eu lieu à Pailin le 17 août 2005. Et la personne qui effectue le compte-rendu dit ceci: selon lui, dans le régime des Khmer Rouges, chaque zone, en particulier le secrétaire de zone, était comme un vice-roi qui gérait le travail dans la zone selon ses désirs. Le comité central n'était pas capable de contrôler parce qu'il ne recevait que les rapports. Dans la nouvelle zone nord, après que Kamchat a été désigné comme responsable, il y avait des arrestations, puis des emprisonnements à l'insu de la hiérarchie. Et en 1978, le comité central et banque numéro 1 ont envoyé des hommes pour préparer l'accueil des touristes. Et ils ont alors su et sont revenus rendre compte. Alors, est-ce que vous aviez entendu parler d'une mission qui consistait à préparer l'accueil dans le secteur de Prévir ou le secteur de Siem Reap pour l'accueil de touristes? Est-ce qu'en dehors de Pol Pot ou de Khieu Samphan, vous avez reçu des instructions de votre supérieur, Sium, qui semble-t-il était le nouveau responsable de la zone nord? ខ្ញុំអត់បានទទួលអីពីគាត់ទេគាត់បានទៅកន្លែងខ្ញុំម្ដងគាត់និយាយពីការរៀបរយបានទៅមើលជាជននៅគ្រប់ស្រុកហើយឬនៅយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំបានទៅបានពីស្រុកទេបើស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយពេកពីរវាងទៅចង់ផ្សារហើយចាំមកជិតមករយគីឡូហ្នឹងហើយមធ្យោបាយដើរហើរវាលំបាកដែរផ្លូវព្រៃ ហើយទៅថ្លាក៏ផ្លូវឆ្ងាយដែរដូច្នេះគាត់បានទៅរៀបការទៅពីកិច្ចការងារដែលតាមស្រុកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យយ៉ាងម៉េចប៉ុណ្ណឹងទេឃើញការរស់នៅការស៊ីចុកជីវភាពឬក៏ព្រំឈើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំប្រាប់តាមតំណើដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងទៅបាទ Vous pouvez nous rappeler, Monsieur Kangchap, Monsieur Measvan, pardon, pouvez-vous nous rappeler quand précisément vous êtes arrivé dans la zone de Prévir? Et en août 78, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous aviez un bureau qui vous permettait d'envoyer des télégrammes? Est-ce que vous aviez le personnel pour envoyer des télégrammes ou pour recevoir des télégrammes? បាទមានតែពីរនាក់ទេណាបុគ្គលិកហ្នឹងសល់ពីបុគ្គលិកពីកន្លែងតហងមកហើយខ្ញុំចេះតែហៅគាត់ប្រើប្រាស់ទៅខ្ញុំយកពីនេះទៅគឺអត់បានយកទេតែដល់ហ្នឹងគាត់នៅតែពីរនាក់មិនមែនបុគ្គលិកហ្នឹងមានតែឈ្មោះអើយហ្នឹងហើយនិងឈ្មោះអុលហ្នឹងពីរនាក់ហ្នឹង
Donc, concrètement, quand vous êtes arrivé, vous aviez les moyens en personnel et vous aviez le matériel pour pouvoir communiquer ou recevoir des messages depuis Phnom Penh. Et c'est exact. ខ្ញុំក៏អត់បានរាយការណ៍ទៅខាងណាទៀតដែរខ្ញុំរាយការណ៍តែទៅខាងលោកខេត្តសំផនតាំងពីរឿងកិច្ចការក្រុមគ្រួសារគាត់តែប៉ុណ្ណឹងហើយតមកអត់ទៅមានបានទទួលសារពីណាទៀតទេហើយខ្ញុំក៏អត់បានរាយការណ៍ទៅខាងណាទៀតដែរខ្ញុំរាយការណ៍តែទៅខាងលោកខេត្តសំផនតាំងពីរឿងកិច្ចការក្រុមគ្រួសារគាត់តែប៉ុណ្ណឹងហើយតមកអត់ទៅខាងវាអត់ទៅស្រួលអញ្ចឹងទៅក៏មិនសូវរាយការណ៍ប្រមាណទេគឺរាយការណ៍ក៏ដឹងតែកន្លែងអ
1978 et janvier 1979. Il n'était absolument pas possible de communiquer avec Phnom Penh. C'est ce qu'on doit comprendre. បាទអត់តកតងបានតាមភ្នំពេញកន្លែងទូសាទូលេខនឹងគឺអត់ដាច់គ្នារហូតបាទគុណលោកចក្រមគុណសាក់សីឥឡូវដល់ពេលសម្រាប់ហើយឲ្យមើលប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការក្នុងរួមផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅក្នុងឡុងពេលជប់សម្រាប់ដល់សាក់សីនិងពេលទៅពីប្រឹក្សាសាក់សីនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្តិ